Nous y sommes. Mes instruments indiquent que le pignon temporel se trouve dans les environs de cette falaise. Tu dois escalader ce mur pour l'atteindre. Mais d'abord, il va falloir que tu nous débarrasses de cette troupe de gardes. Aucun problème. La raclée que je m'apprête à donner à ces crapules me servira d'échauffement. Après, j'irai chercher ton truc. Murray, j'ai bien compris que tu voulais te charger de ça. Mais es-tu vraiment prêt pour cette grimpette? Enfin, Bentley, je suis d'attaque depuis ma naissance. J'y suis presque. Murray, je suis sûr que tu peux y arriver. Mais on n'a pas vraiment le temps. On doit faire vite, là. On passe au plan B. Attends, tu veux dire que... Oui, je fais appel à Bob. Super, maintenant le Murray est sur la touche. Et calme-toi, Murray, c'est un spécialiste de l'escalade. En plus, tu devrais être fier. C'est toi qui l'as entraîné. Pourquoi tu ne rentres pas au refuge pour casser la croûte? J'ai vraiment pas faim. Waouh! Alors c'est ça que ça fait? Très bien, Bob. Je sais que Murray va m'entraîner. Ça va être le moment de faire de l'esprit. Tu devras peut-être contourner les obstacles ou bien passer au travers. Appuie sur carré pour frapper le mur. Ça te permettra de traverser les obstacles que tu rencontreras. Appuie sur X pour sauter par-dessus les trous dans la pierre. Pour te laisser glisser, maintiens la touche R1 enfoncée. Ok, mon grand. Essaie donc de mettre ce pin au com. Tes yeux. Mets-le sur tes yeux. Oui, cet appareil va te permettre de voir vraiment très loin. Et je ne suis pas réellement à l'intérieur. Mais je n'ai pas le temps de t'expliquer. Mes instruments indiquent que le pignon n'est pas loin. Il se trouve quelque part au-dessus de toi. Non.
Désolé, ça n'a rien rapproché du tout. C'est ce qu'on appelle un zoom. Continue de grimper. Tu vas devoir sauter par-dessus ce trou. Excellent! Tu as vraiment ça dans le dos. Attention, scarabée des glaces! Attention, cet autre scarabée des glaces! Cet espiègle donne tout son sens à l'expression froid mortant! Attention à ces œufs de ptérodactyle! Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier! Désolé, un brin du que les ptérodactyles soient sur les neiges. Ils s'envolent tous leurs œufs. Bien, tu es presque arrivé au nid. Mais le plus important, c'est qu'on va maintenant devoir atteindre ses nids tout là-haut. C'est ce que j'espérais entendre. Le pignon est là, Bob. Cette maman ptérodactyle a dû réussir à s'échapper. Mais elle reste dans les parages parce que ses petits sont toujours prisonniers. Ne t'en fais pas, on va les aider. Mais tout d'abord, on doit récupérer ce pignon.
On croirait entendre cela. Fais attention de ne pas les réveiller, elle ou ses petits. Je ne pense pas qu'elle serait ravie de te voir. Ne réveille pas ces bébés. Évitons d'attirer l'attention de maman pterodactyle. We'll be right back.